Le délégué de la République Centrafrique. Bonjour à tous. Je suis le chef de la délégation centrafricaine, représentant le DG des douanes centrafricaines qui arrivera jeudi matin, qui sera sur le terrain à partir de l'après-midi. Donc, vous savez, les directeurs généraux ont un groupe WhatsApp. Celui qui osera, un défenseur qui osera le tacler aura pour son compte. Donc, monsieur le président de l'AIDF, monsieur Stéphane, merci pour l'organisation, merci pour l'accueil. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que vous avez fait un bon travail. Et que travail, ça fait remarque. Organiser quelque chose n'est pas facile. C'est toujours difficile. Et grâce aux sponsors, grâce à chaque délégué de chaque pays qui ont ménagé beaucoup d'efforts pour que nous soyons là, malgré que d'autres n'ont pas pu avoir l'occasion d'avoir le visa pour être avec nous. C'est ce que nous regrettons. Et je crois que lors de notre conseil d'administration avec le président, nous verrons qu'est-ce qu'il faut faire dorénavant pour que tout le monde soit là, parce que les raisons que les gens donnent, les douaniers vont partir pour ne plus revenir. Vous voyez quel douanier venir s'exiler en Europe? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vraiment les raisons sont fondées? Nous sommes tous des responsables. Mais venir s'exiler en Europe, ce n'est pas une raison de refus de visa. Donc je vous en prie, monsieur le président, nous allons nous voir dans le conseil pour que nous améliorions nos relations avec les affaires étrangères. Dorénavant, les visas puissent être donnés à ces douaniers s'il y a eu un tel congrès quelque part. De ce fait, la République centrafricaine que je représente, le DG sera là le jeudi. On a une équipe masculine. Et cette équipe, monsieur Luc a oublié de le citer, on vient de remporter le 13 août passé la première édition de la Coupe Inter-Armée. La Centrafrique. Oui. On a battu la police. On a battu la police à deux reprises. Donc, vous voyez-vous, la Centrafrique n'est pas venue pour s'amuser. Donc, la Suisse, le Bénin, la Tunisie, préparez-vous davantage. Si vous voulez rentrer tôt, donc ce soir, pliez vos bagages et commencez à rentrer. Donc, pour ne pas aller loin, je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, chapeau. Vous êtes là, vous représentez un pays, le continent d'ailleurs. Mais ne soyez pas déçus à la fin. Donc je vous en prie. Merci. Bravo.